Allez, let's go là, les amis. 65 bourses, ouais. Let's go, les amis. Bonne chance à toutes et à tous. Let's go, les amis. Et ne restez pas trop groupés, même malgré le chat vocal, bien sûr. Au revoir. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. C'était lente pour les 100 bits. Plaisir, s'il vous plaît. Ok. Ok. C'est chaud, la mission, le fou là que j'ai. Parle là. Ok. Alors. Mais c'est quoi cette voix? Bah, c'est rien du tout, mon cher Jiraiya, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? La team Ryu. Ah. Suivi par Xari. Bonsoir! Bonsoir! Il s'est passé un truc étrange, non? Attends. Ah. Attends. Rire de droite. Oh, oh c'est quoi? Les amis, j'ai un tueur. Alors, je pense que je. Alors, je pense avoir quelque chose, mais je te laisse parler en premier, Jean Castex. Je l'ai vu tuer à la caméra. Étoile. C'est Xari. Tout simplement. Oui, c'est sûr. Quoi? Ok. Ah, ok. Très bien. Eh bien mais voilà. J'ai bien entendu, j'étais mute. Hein. C'est Xari, c'est Xari, c'est Xari, c'est Xari. C'est Xari. Mais, ah. Alors, mais attends. Moi attends. J'ai voté. Comment ça? D'où? Bah, où, c'est c'était parti, où? On va c'est voter quoi aussi. J'étais. C'est la bonne. Il est mort, il est mort. Étoile est mort à X-Vitals. Non, on l'a vu. À Ancien Vitals. Jiraiya était avec moi vers les cams. Je sais pas si c'était au cam à ce moment-là avec moi. Jiraiya, t'as rien. J'y allais et puis je suis remonté mettre. Enfin, en tout cas, tu peux confirmer que j'étais aux caméras, Jiraiya. Ah oui, je confirme à 100%, voilà. Avec une voix grave d'ailleurs. Tout à fait. Alors, et effectivement. J'ai découvert DFG, du coup j'ai découvert l'autre corps. Et en fait j'étais avec Ultia, Ponce est descendu. Donc on était au niveau, tu sais, de la... juste à côté de communication. Ponce est descendu, il est remonté. Et okay. En plus, je suis en redescendant là où il était, donc en bas de O2, et bien j'ai trouvé le corps de DFG. On a les deux. Ok, mais de l'endroit où était le corps. Quoi. Moi, je me fais juste agresser là pour rien. Moi, j'étais surtout en full. Bah, la preuve qu'on s'est vu, le premier truc que je t'ai dit, c'est mon jeu lag. J'étais en full mon jeu lag. Je suis descendu en bas. Je sais pas où est le corps de DFG. Mais moi, je suis parti en bas vers la droite. Et dès que les lumières se sont allumées, je suis remonté instant. Et c'est là où j'ai recroisé Ultia et toi, où j'ai dit. Merci Sawako pour les 200 bits. Chala chocolat pour les 6 mois. Merci beaucoup. Non, mais en bas, quand je suis descendu, je suis allé à droite. Ultia, ouais, tu voulais dire un truc? Tu peux pas ne pas l'avoir vu. Moi j'étais avec eux. Je vois les lumières pourquoi sont ça serait lui. Hein. Je comprends pas. Bon, dans tous les cas, c'est sûr que c'est Xari. C'est sûr. En fait, j'avais un problème technique. Du coup, je leur parlais de mon problème technique. Du coup, je vois pas pourquoi ça aurait été l'un d'eux quoi. Bah oui, je comprends pas. Je comprends. Trop envie de tuer Ponce après en tant que shérif. Non, c'est juste que je t'ai vu revenir d'une zone où il y a un corps. Pour voir. D'avoir un doute quoi. Au pire, je meurs. Ah, c'est que moi, Baguera. J'ai trop envie de le tenter. Il était devant O2. Il était pile devant O2. Je ne suis pas allé à O2. Je ne suis pas allé là. Il est à l'extérieur de O2. Je ne suis pas allé là, mec. Genre vraiment. Dans ce cas-là, je pense que ça arrive. Après, peut-être que oui, mais. Dans tous les cas, c'est Xari, 100%. Je pense vraiment que c'est Xari, donc. Xari, c'est ce que t'as vu au cam Jean Castex, c'est ça? Oui. Oui. Et je l'ai suivi. Voilà, très bien. Voilà. Oui, pardon, je. J'ai l'habitude de jouer. Voilà. Ça allait très bien. Bravo. Ok. Désolé, Xari. Bien joué, Xari, belle game. Let's go quoi. Après t'es injouable hein ce niveau là. Alors. Attends la map j'ai détruit. Alors. Patrick Balkany, c'est... Oh merci Crevetola pour les 5 subs offerts à la communauté, très généreux de ta part, merci beaucoup. Ça laguette alors mais... Alors. Ponce va-t-il m'assassiner avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. J'ai trop envie de tester pour voir. Bonsoir Rivenzi. Bonsoir Jean Castex. Voilà, j'ai très peur. Vous pouvez vous en aller. Non, je fais les bouteilles. Ayez confiance. Où est Ponce? Maintenant, il faut que je le trouve. Allô? Oui? Ah. Désolé. J'étais le shérif. Beau travail, shérif. J'étais le shérif et j'ai buté Ponce. Ouais. Beau travail. Voilà. Bien joué. Bien joué. C'était une énorme game. GG quoi. Ah non, c'est pas moi. C'était qui? Non, c'était Ponce. J'ai tué Ponce. Je me suis dit, je vais tuer Ponce pour voir. En tant que. Moi, j'entends personne. Jean Castex. Ah la VOD YouTube de 2 minutes et demie, incroyable. Allô. Voilà, le speedrun shérif là. Grande série de cadavres disponible sur YouTube. C'est allé très vite pour le coup, bravo. C'est pas mal. J'entends des gens, mais pas tout le monde. C'est trop bizarre.
C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Quand t'es pas dans, revenu dans le lobby, t'es encore dans les ouais, refresh en calling, Ponce. Merci Marine Flash et Neon pour les deux mois. Aria Beshk pour le sabofar à la communauté. Bilal pour les deux mois. La Ptiote pour les deux mois. Kamenia Neva pour le Prime, merci beaucoup. Il a été très bon. Comment tu savais que c'était. Ah, mais on peut pas parler, ok. Je me doutais, ils t'ont accusé, du coup je me suis dit au pire j'essaye pour voir. Ok. Au pire j'essaye pour voir, je me suis dit. Et puis c'était bon. Ok. C'est marqué quand t'es shérif. Oui, oui, tu le sais. Tout en jaune et tout, t'inquiète pas. Ok, bon bah. Malheureusement, pas très bien. Je le sais. Crewmate. Ouais, bah la même. Hein. Après, c'est beau, enfin, c'est compliqué. Oh! Attends. Madre mia! Oh non, mais j'ai même pas vu où était le. En fait, j'ai même pas vu le cadavre. En fait, j'ai eu le. En arrivant à Electrical, vraiment. Enfin, pas. Le couloir depuis l'extérieur jusqu'à celui qui mène à Electrical. Le cadavre est dans ce coin-là. J'ai juste eu le bouton report. Et j'ai pas vu qui c'était. Bon, c'est Étoile, qui passe de très grosses games ce soir, hein, bien sûr. Mais du coup, je ne sais pas qui a fait quoi. Ça a duré 2 minutes, là. Wow, trop bizarre. Moi j'étais Étoile, en fait je partais à droite avec Étoile vers Labo, et en fait au moment de la lumière s'est coupée, on s'est perdu de vue. Et il est retourné à gauche, hein. Il est retourné à gauche 100%. À droite, okay, j'ai entendu. Moi je suis allé à droite, ça. En fait après moi j'ai continué à droite et bah je sais pas où Étoile était parti parce que je sais pas où il était. Mais du coup il est tu penses qu'il est mort où exactement? Bah, tu vois l'entrée du couloir d'électrical depuis l'extérieur? Au-dessus. Ouais, bien sûr. Bah c'est là que j'ai eu le bouton report en fait. Donc, c'est exactement là où je suis et j'ai pas le bouton. C'est là où je t'ai vu arriver là à ce moment-là, pense, je sais pas si t'y étais ou pas, mais... Bah écoutez, moi j'avais pas de bouton report. Hein. J'ai remis l'électricité, il y a un petit groupe de 2-3 personnes qui est arrivé vers moi. Et du coup, je sais pas si... Xari, t'as voté quoi, Xari? Ah, petit hasard. Oh l'enfer. J'étais au labo, donc j'ai rien vu, mais j'aime bien voter, donc... J'ai remis le bouton report en sortant. Et t'as voté qui, Xari? Ah, ça je peux pas le dire. Non, mais moi j'étais électrique, je suis jamais sorti de. J'ai remis l'électricité. Oui, on a commencé à ressortir. Non, mec. On a commencé à ressortir d'électricole. De ce que dit Antoine, il est mort à l'extérieur pour aller devant la porte. Ah, oui, tout à fait. Non, non, à l'extérieur. C'est qui en gros? C'est DFG, Gigi, Bagheera, Ultia. Non, c'est pas nous, c'est impossible. Non, vous êtes en. On est dedans. On est ensemble dedans et c'est le timing est trop serré. Donc c'est soit Jean Cast qui fait une dinguerie, c'est peut-être du Rivenzi. Moi, si je peux préciser qu'en vrai, je suis passé là où Jean Castex dit qu'est le corps et je n'ai pas eu de bouton report. Alors, juste un truc, par contre, quand même, que je peux dire, c'est que j'étais aux Vitals et ça report instantanément. Quoi. Ça... Ah, ça allait très vite. Ça a kill le report. Il est mort et report dans la seconde. Ah, si vous n'étiez pas en groupe, bonne info, le Xav. Ok, là-dessus, il clutch. J'en sais rien du tout, mais ça rejoint un peu ce que vous avez dit. De quoi? Je pensais même pas que c'était utile de le dire. Et du coup, c'est forcément donc, entre guillemets, sinon, moi ça m'innocente dans le sens où si en fait, parce que moi j'étais avec. C'est Rive, c'est Electrical de toute façon, Rive, non? Oui, c'est Electrical. C'est Electrical. En vrai, c'est chelou du coup. Ah non, les amis. Est-ce qu'il y a un monde où Étoile et Shérif étaient le début, ils slice un mec, ils se tuent, quoi? Ça serait. Dans un monde possible? Il y a un monde parallèle. Merci Vince pour une fois. MacMarzarnak. Zanark pour le Prime. Le Jake Asylum pour les Prime, merci beaucoup. Non, ils vont pas se mettre à mec. Ouais, sais. De fou, mec. Bah, trop cool, gros. Laissez-moi tranquille. DFG avec Jiraya. Ouais. Je vais au light. C'est Antoine, je vais au light. Ah, Jiraya, me tue pas. Oui. Non, je te tue pas, je suis Antoine. Nickel. Ouais. M'habitue à la nouvelle résolution de ma télévision. Ah, incroyable. Incroyable. Je te laisse les remettre. Ah, y'a qui? C'est Bagheera. Alors, Les lumières. Les lumières. C'est beau aussi. Oui. Bonjour Ultia. Oui. Salut, désolé, j'ai plein de problèmes. Du coup, je suis pas du tout la game. Donc, oh merde. J'ai même pas dit une seule phrase. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Je pense que ça y est. Bah, déjà, ça a baissé toutes mes alertes sur OBS. J'ai pas compris. Et ensuite, le son du jour, on l'entendait pas. Mais là, c'est bon, ça y est. Je pense que j'ai résolu le truc. Ok. Bon, bah, ça voilà. Va alors. Salut Antoine. Bonjour Domingo. Ça va?
Je suis avec toi. Ouais, je crois qu'il y a Ultia dans le coin. Oui, oui, Ultia était là, tout à fait. Les lumières sont éteintes. Je vais les rallumer. Ah. On n'a pas trouvé le corps de Rimendi. Bon. Okay. Oh, mais là, ça a charbonné, là. Non, c'est encore moi qui reporte, hein, je sais. Ouais. Mais okay. Ultia et Domingo peuvent confirmer que j'étais bien en bas aux bouteilles d'eau 2. Et en fait, quand je suis remonté au moment où les lumières sont éteintes, je suis rentré dans la salle de l'arbre. Et là, je suis tombé sur le cadavre de Xari. Voilà. De l'arbre ? Ah, moi j'étais il y a... Moi, je suis parti direct. Si, je suis parti refaire les lights, mais je voulais passer par là pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était resté et il y avait un cadavre. 10-15 secondes et j'ai vu Xari rentrer dans l'arbre, pardon. Et il y avait qui d'autre ? Il y avait absolument que moi et je suis parti par... J'allais partir par le bas, les lumières se sont éteintes. J'allais remonter. Ça dit quoi, Gigi Bagheera DF ? Parce que... Ouais, en fait, au tout début de la game... Ça dit que j'ai vu PA descendre à O2, moi. Ah non, mais je suis avec Jean et Ultia, moi. Ouais, attends, bah justement, parce que en fait, au tout début de la game, je suis parti à droite et j'étais avec Rivenzi. L'électricité s'est coupée et on se suivait. Je monte Electrical pour mettre l'électricité. Il n'est plus là, Rivenzi. Il y a Jean Castex qui arrive. Je dis, oh, bah j'étais avec Rivenzi et puis il y a un peu de monde qui arrive. Et oh, à mon avis, c'est trop bizarre. Rivenzi a disparu, je pense qu'il est mort. Et je suis reparti seul vers la droite et j'ai croisé, je crois, c'était PA, Xari, enfin, genre un peu de monde. Mais en tout cas, Jean Castex, le groupe qui est venu Electrical, il y avait Jean Castex, DFG, tout ça. Seul, non ouais, je suis reparti à droite seul. Il y avait qui d'autre, Antoine, ouais, quand je te racontais ma live déjà? Bah, il y avait Xari qui est descendu à ce moment-là, il y avait Xari qui était là, et je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autre. Je sais qu'il y avait Domingo qui était là. Apparemment, Ponce aussi. Hein. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec. Quand à droite ? Quand j'ai remis l'électricité, la première fois que ça a été coupé, c'était moi qui ai remis l'électricité. Vous êtes. Enfin, toi, je sais pas, mais en tout cas, Jean Castex est arrivé, DFG, vous êtes arrivé à Electrical quand moi je sortais. Non, et j'ai dit, oh, mais il y avait Rivenzi avec moi, il n'est plus là. Je suis parti à droite, je me suis dit 100%, elle a été tuée. Bon, la preuve en est. T'es parti où à droite ensuite ? Bah, je suis remonté, tu sais, là où il y a électricité, à droite, je suis descendu et je là où je l'avais laissé théoriquement quand la lumière s'est coupée, mais je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé son cadavre. Non, je suis pas allé. Il reste 40 secondes. Moi, ce qui s'est passé avec. J'étais avec Ultia, Xari au tout début, on a fait astéroïde, ensuite on est remonté. Ultia, toi, t'es parti de l'autre côté, donc tu nous as laissé. On est arrivé avec Xari, donc Electrical. Et ensuite, moi, je suis redescendu et c'est là où j'ai vu Jean, Ultia et tout. Le truc qui est louche, c'est le côté Ponce ou Jean, parce qu'au moment où on s'est barré de O2, moi, je suis allé faire les lights et. Mec, ça serait bizarre que je vous quitte à ce moment-là, que je tue et que je reporte instantanément juste après, en fait. Instant kill, soit c'est. Ce serait bizarre. Moi, j'irais plus Ponce en vrai. Mais après, je vais skip, mais. Non, ouais, c'est ça, ouais. Moi je vais skip, mais je pense que c'est Ponce. Ouais. Hein ? Bah, par rapport à ce que t'as dit, au fait que t'étais avec lui juste avant. Et... Ça fait deux fois que c'est toi qui reporte le corps, mec. Genre. Et alors ? Gigi, j'étais full avec ça. Ça sera peut-être une troisième fois, moi. Ok, bah excuse-moi. Et deux. Ah merde, on entend plus rien. Ok. Oh, ouais, les lights sont encore éteintes. Après, on sait même pas si le shérif a fait un travail ou pas, on sait pas s'il a buté... Oh, oh putain, c'est énorme. C'est énorme. Domingo Ponce Jiraya là-bas. Domingo Ponce Jiraya. Ponce, c'est aux caméras. J'étais sûr qu'il allait se faire cut down. Ouais. J'en caste. Salut. Hola. Les lumières sont éteintes. Ouais, ça coupe très vite. Hein. Mais Ponce, je le trouve chelou. Hein. Mais après, je sais pas. Mais attends, pourquoi j'ai entendu parler PA là ? De quoi, Bagheera ? What ? Moi depuis avant je suis certaine que c'est toi, hein, parce que les deux timings c'était logique que ce soit toi. Et où est le corps, DFG ? Bon, là, moi j'arrive au light là. Moi je suis au light. Je suis au light, je suis au light aussi, je suis avec vous. Bagheera, t'es où là ? Je suis un spécimen, je suis en train de remonter en haut à là-bas. Ok, t'es pas à gauche ? Dans les toilettes ? Oui c'est ça, je suis remonté, maintenant je suis dans les toilettes. Attends, okay. Le corps est où ? Ultia est morte juste au-dessus de nous. Et t'es où ? Dans le laboratoire, en plein milieu du labo. Ah. Et t'es avec qui
Mais qui est là en fait? Mais attends, mais qui est là? Je suis sûr que sur ce kill, c'est ni Jiraya ni Ponce sur ce kill, ni moi. Ah bah oui, il a été fait il y a très longtemps, mais moi je suis resté. Non, c'est là à l'instant, là, il y a une seconde. D'accord. Bah c'est 100% Baguera. Du coup, il y avait. Mais t'étais où, Domingo? Domingo, t'étais où? Je crois vraiment pas. Moi j'arrivais au light là. Mais ouais, mais personne peut prouver que t'es arrivé au light, Domingo. Bah si, Ponce a dit justement qu'il m'a entendu. Si, il était juste à côté de nous. En tout cas, j'ai vu le orange. Vous m'avez pas entendu? Oui, on l'a entendu et tout, pardon. Je sais pas pourquoi, mais on l'a entendu. Parce que je le voyais pas. Et tu m'as même entendu, Jean Castex, dire bah pourquoi on entend PA? Ah, je me souviens plus. Mais ok. C'est le premier truc que j'ai dit quand ça reporte. Le kill est pile labo et Baguera, toi tu dis que t'es genre côté spécimen. Ouais, moi je remonte de spécimen, je suis pas encore monté dans le labo et c'est pas moi. DFG m'a vu, je pense, sortir de spécimen, aller aux toilettes. Et ouais, du coup. Pour moi, c'est non, mais vraiment. Et DF, le self kill. Qu'est-ce qu'il y a du coup autour? Ça m'étonnerait. Il y avait que nous deux là-bas? Pardon. C'est lui qui a fait le kill avec nous et quelqu'un est venu dans le noir. Mais alors, si vous êtes. En fait, vous pouvez pas être trois à vous save, c'est impossible. Si, Jiraya, Ponce et moi, on est restés à gauche tout le long. Ah bah... Ponce, il est resté longtemps en caméra, Jiraya et moi, on s'est retrouvés coincés dans la salle du bas. Et il y avait Domingo qui était côté gauche au tout début, et sur la fin, on l'a perdu, mais... J'avoue, le plus... Après, Domingo, il aurait pu faire un aller-retour, tu vois, mais bon, c'est un peu... Ouais. Bon, si c'est labo, c'est un peu... Dans Jiraya, Jean et Ponce, il y en a un qui est en train de se faire mind vénère, genre. Ah non, mais mec, on était tous ensemble, c'est pas vraiment tout... Non, mais je pense... Non, vraiment, sur ce kill-là, c'est pas un de nous trois, ça veut pas dire qu'un de nous trois n'est pas un poster, mais c'est juste que là... Vient d'être fait, ça peut pas être Jean Castex, c'est vraiment Jean Ponce. Impossible. Okay, il a été fait à l'instant, c'est qui ça, DF du coup le deuxième? C'est bien ce qu'il a dit. Attends, t'as voté qui DF? Je vote PA. Moi, ouais, mais pourquoi PA? Mais moi je suis tout à gauche. Ok, c'est non mais c'est DFG et Baguera, c'est pas possible. Mais DF avec son niveau, c'est trop bizarre qu'il ait fait ça. Moi j'ai non mais vote Baguera, ça peut être que Baguera. Mais DF, c'est trop bizarre qu'il a fait. Mais je pense vraiment que c'est pas Baguera. Mais alors après j'ai pas les lettres. Mais c'est pas moi. Mais putain, j'en sais rien, je n'en sais rien, on va se faire baiser, voilà. Putain, merde. Light. Je vais pas au light, je vais ici. Je fais un petit download, c'est important. Parce que l'impulsement pour les 3 mois, Excelure le Prime. Putain, mais... Jouer. Oh, mais Ponce, ouais. Putain, mais bien sûr. T'es un sacré joueur, toi, mon pote. T'es un sacré joueur, hein. Oh, la guerre est pour l'occasion. Par contre, Ponce, je comprends même pas comment il a pu survivre, gros. Mec, c'est free win. Mais mec, mais Ponce, il est cadeau, en fait. Il est cadeau, c'est l'autoroute. Parce qu'Antoine, il l'avait tellement, genre, il vient dans l'arbre. Mec, j'ai gagné le Twitch Rival Among Us, donc c'est facile. Non, mais ouais, j'aurais dû rester sur mon idée que c'était Ponce dès le départ. Mais le problème, c'est que j'avais aucune preuve de ça. Ouais. Ah bah, il y a pas c'est... de preuve de ça, il faut. Moi j'étais chez lui. Ah, ça a très preuve de ça. C'est qui était shérif? C'est qui le shérif? Ouais. Et toi, putain. C'était masterclass. Moi j'ai fait un seul kill. Merci à lui. On est d'accord, t'as fait qu'un kill, ouais. Non, mais j'ai fait le kill, gros. Genre, en fait, genre, depuis tout à l'heure, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, oh bah vas-y, je vais kill. Je kill, il y a DFG juste après. Et je sais pas comment. Je pense que j'ai continué à parler une fois qu'il y avait le report. Tu m'as entendu. Mais c'est parti en save. C'est parti en save. Le problème, c'est que vraiment, on l'a entendu avec Ricole. Et Ponce, il a dit, oui, en plus, j'ai vu du orange. Bah ouais, moi j'étais juste à côté. Ah, j'aurais dû. J'aurais pas fait à la droite. Mais en fait, le fait que tu dises que le meurtre venait d'avoir lieu, bah, c'était ça en fait qui m'a... C'était sûr que c'était pas elle, mais vous m'avez pas trouvé. Bah ouais, parce que... Bah, en fait, c'était soit Domingo et Ponce, soit toi et Baguera, en fait, DFG. Non, donc, ça pouvait très bien être Ponce et Baguera, non? Je sais pas. Par exemple. Je sais pas. Non, ça pouvait pas être Baguera, toi. Mais comment t'as grillé que c'était moi, toi, par contre? Comment tu t'es retourné le truc sur... Moi, c'est comme t'as directement en position, moi directement. Ah bah, c'est Baguera. Premier meeting, j'ai call Ponce PA, mais... C'est vrai. Et moi, en fait, j'ai vu personne, j'ai rien fait de suspect, en plus. Bah, ça peut être que ça, quoi. Ouais, moi j'ai dit j'ai vu du orange, mais j'avais absolument pas vu d'orange. J'ai dit j'ai entendu PA et en vrai. Y'a aucun problème, Baguera. Y'a aucun problème. Je m'excuse. Bah ouais, moi je suis chaud, game. Vas-y, let's go. Ponce, t'as été très chaud. J'ai eu peur sur le truc O2 où tu te crames à moitié. Ouais. Mais au final, juste le boss. Juste le boss. J'avais été meilleur, on a rien pour faire. Est-ce que je peux jouer au jeu? Mister Cock pour les 4 mois. Vas-y, lui pour le prime. Je te tue pas instant, gros. C'est cringe de jouer au jeu, étoile là? Mais en vrai, je te tue pas maintenant. Vas-y. C'est quoi? Pas le rebondir. Oh là là, monsieur. Oui? Non, rien. Tranquille, hein. C'est bien pour les minias. On est là.
C'est bien pour les mini-A. Qu'est-ce qui est bien pour les mini-A? Qu'est-ce qui est bien pour les mini-A? Non, non, non. Non, monsieur. T'as quand même un très très bon boule, toi. T'inquiète, t'inquiète, bro. T'inquiète, bro. Jouer. T'inquiète, t'inquiète, bro. T'inquiète, bro. Yep. Ouais. Je tente la strat bibliothèque. En tout cas, c'est très payant pour l'instant. Ça marche bien, quoi. Oh my god! Il m'a fait peur, le gars. J'ai eu ça tellement va peur! Let's go, étoile! Salut! Salut, Jean-Pote! Let's go! Alors, donc je suis astéroïde et le corps de Ponce était étendu. Il était froid, le corps était froid. Il me semble que le décès a eu lieu il y a quand même quelques heures. Donc voilà, il est okay. Mort. Astéroïde. Je vous ai vu partir au moment des lights avec étoile depuis admin. Vous êtes séparés ensuite? Bah ouais, alors, moi je suis tout seul derrière le bonhomme de neige à côté de la vente. Moi j'ai perdu étoile en fait. J'ai perdu étoile à ce moment-là. Et en fait, j'ai cru qu'il était même avec toi, Antoine, au moment des lights. Non, il s'est. Il est revenu un petit peu sur admin. Et après, je suis allé que dans un deuxième temps sur Astéroïde. Voilà. Domi, t'étais où là quand on s'est quitté à l'instant? Tu sais, t'es parti, t'es passé par les portes. J'ai pas mal parlé à Gigi. On était au niveau de l'arbre et on s'est remémoré le bon vieux temps. Je n'étais plus un. Ah, mais vous n'êtes pas parti vers le sud. Non, vous n'auriez pas dû passer à Weapons par hasard. Non, mais par contre, moi je suis à les communications. Enfin, le truc où ça a été inverti maintenant. Ouais, je viens de le croiser qui est avec Bagheera. Ouais, j'ai croisé Bagheera là. Ah ouais. Oui. T'aurais pas fait le kill sur Ponce et vu qu'on était tout seul, tu pouvais pas me tuer parce que t'étais en cooldown et t'es reparti au middle. Parce que je venais de lave. Je venais de lave, j'étais pas à droite. Ah non, tu venais pas à gauche parce que moi je. Si, je venais de lave. Ah si. Ok. Merci Undertrix pour les 10 mois de sub. Vous êtes 24 254. Moi je suis arrivé par le bas en fait. Oui, complètement. Mais non, pas du tout. Mais c'est voté. Et en fait, j'aurais pas report Ponce. Non, attendez, on va pas voter Rivenzy maintenant. Il est astéroïde, alors, et c'est plutôt un bon spot astéroïde. Mais du coup, les portes ont été fermées, moi j'ai En vrai, j'aurais pas report si. Mais tu venais d'où toi? J'ai pas save report. Moi? Ouais. Je venais d'admin, comme je le disais, je quittais Jean Castex et Étoile à ce moment-là. Et t'es pas passé par En fait, le truc, c'est je pense que tu l'as tué Weapons, que t'es arrivé, on était seuls tous les deux, t'avais pas le cooldown, et après t'es reparti. Mais c'est une possibilité, hein, c'est pas. Pourquoi il aurait pas le cooldown? Le premier cooldown est très court, généralement. Ok. Non, mais c'est genre 10 secondes quand tu commences... Mais s'il a fait un kill pour retirer... Est-ce qu'il peut avoir une chance non nulle que Ponce essaie de tuer un mec et c'est... C'est toujours possiblement quelque chose qui est arrivé, hein, mais... Je ne pense pas parce que Ponce n'était pas au niveau des astéroïdes, il était au niveau téléphone. Et même, c'est trop risqué de faire ça. T'as tendance à vouloir report direct en mode le mec... Genre quand il y a un chef qui se tue lui-même, tu le vois tomber à côté de toi, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, comme s'il était mort. Tu le vois exploser. Ah, d'accord. Ah, il a une anime différente de s'il meurt? Non, c'est la même. Je suis scandalisé qu'on ait pensé à moi. Je suis un peu outré parce que j'avais le. En fait, j'ai vu quasiment personne. Non, je sais pas. C'est quoi, c'est pareil. Oh non, c'est relou. Relou, les gars. Ça, c'est DFG qui ferme les portes comme ça. Ça, c'est DFG 100%. Hein. Moi, je vais faire les stéroïdes. Vas-y, je l'ai fait avec toi, les stéroïdes, Rivenzy. Donc, tu vois, il était derrière nous. Le corps de Ponce était derrière nous, donc il a dû se faire kill au moment où il s'est fait. C'est pas toi, hein, ils ont quand même voté contre toi beaucoup. Hein. Ouais, ok, bro, je te fais confiance. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je te fais confiance, bro. Hein. Rivenzy. Rire de droite. Rivenzy. Oh non. Ça me dégoûte. Petit Garzaf pour les 5 subs offerts à la communauté, très généreux de ta part. Zerakiel pour les 4 mois, merci beaucoup. Mmh.
Ok. Ok, let's go. Franchement, il se passe pas grand chose. Je vais peut-être aller au cam. J'ai des trucs à faire encore. Ça va report en plus, je pense, bientôt. C'est quoi qui est coupé? C'est les coms? Ah non, c'est les lumières. Ah bah apparemment, c'était pas lui quand même. Hein. Ah, c'est pas Lourif du coup. Si, c'était lui, messieurs, dames. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'était lui et j'ai voulu que la loi soit faite. Et moi. Comment ça? C'est qui du coup? Ah, c'était Jiraya? C'était Jiraya. Vraiment, il était shérif? Ouais, moi j'ai encore la fumée qui sort de la guerre. T'es shérif, Bagheera? Non mais en fait il y a un truc qui s'est passé horrible. On va le protéger maintenant, protégez-moi. Non mais je peux expliquer, oui. En fait c'est trop de la merde. Ouais, c'est terrible. Jiraya, c'est terrible. En gros il savait pas que les fantômes, quand t'es imposteur, tu les entends. Tu les entends. Et du coup, oui, désolé, du coup je l'ai buté. Mais en fait je me suis dit que sinon c'était la merde de toute façon. Ah. Oui, en vrai oui, parce que moi je savais. Même moi quand j'ai bougé, j'ai fait oh merde il a dit ça. Et du coup je voulais rien dire. Mais je l'avais mis clic tout à l'heure. Non mais on était 5 les gens, on était 5 autour de lui. Ah c'est pour ça qu'il a toujours entendu des percussions. Après on l'a cuisiné pendant des heures aussi, c'est normal. Il a lâché, c'est la pression. Il a rien pu faire sur les impresseurs. T'entends les fantômes, c'est n'importe quoi ça. Bah ouais, mais oui, c'est trop mal. Ils peuvent te hanter. Après, tu les entends de loin et tu les entends comme un écho, tu vois. Du coup, désolé, c'est un peu chiant, quoi. C'était pour le bien fait de la partie. De après, les gars, Bagheera, tu as très bien fait, Bagheera. Non, mais si Bagheera, s'il y a les shérifs, effectivement, voilà. Protégez-moi maintenant tout. Il va protéger toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas sortir les armes. Non, mais il aurait pu me tuer. Non, mais. Si Mgo, expiation pour moi. Après, c'est couillu de dire que c'est toi parce que là, t'es le personnage à risque, là, du coup. Justement, non, c'est pour ça que j'ai c'est Gabano pour le prime. Après, le truc, c'est que. Vous n'avez pas le choix de dire si elle n'avait pas dit, on aurait dit ouais, pourquoi strat, est-ce que tu l'as tué. Genre, on aurait dit t'es imposteur, du coup. Ouais. Non, mais Zarek, t'as fait le wifi au début, non? Après, si ça se trouve. Je sais pas de quoi tu parles, moi. Qui vote pour moi, là? Oh la défense, oh la défense, elle est belle. Bah, moi, je vote Jean Castex. Je ne saurais jamais pourquoi il a voté. Il a voté pour moi. Terrible. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, de l'eau. C'est bon l'eau. Donc là. Rire de droite. Merci Lex pour le sub. C'est cool. Ah mais remettez les lumières. Les lumières. Steven Saucisse pour les 100 bits, merci beaucoup. Alors. J'ai un truc à faire ici. Oh. Je sais pas ce que c'est. Ultia le... Exari. Oui. Bonsoir. Bonsoir. L'ultiex arrive. Vous avez tous les deux une petite couronne. Ouais. Mais ça, c'est une icône de Wi-Fi. On est le roi et la reine. Effectivement. Moi, je monte. Hein. Je vais à l'ab. L'ultiex arrive. Bon. Ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé tout seul. Come on. Mais j'ai plus qu'un truc à faire, moi. Incroyable. C'est incroyable. Mais Ulti et Xari sont... DFG, étoile... Attends. J'ai trop envie d'aller revoir. Non, étoile. Je fais pas le con, étoile, hein. Ouais, bon, pas. Je suis mute? Non. Ah. Alors ça m'écœure parce que j'entendais Rive en train de lâcher ses meilleures anecdotes de Radio Libre là. Et tout d'un coup, il y a eu retrouve... deux morts là. Ouais, il y a eu. Non, il y a eu 15. Et oui, Bagheera et Rive, tout à fait. Bagheera et Rive, ouais. Alors. Tout à fait. Je peux save quelqu'un à 100%. Je pense que tu peux save Ultia. C'est exact. Ouais, ouais, on s'est perdu que les 5 dernières secondes. T'étais où d'ailleurs, Xari, toi? Tu me safe, étoile, mais on s'est croisé à peine, étoile. Bah, mec, okay. J'étais à la bibliothèque pendant un siècle et DFG peut le dire, mais du coup, je pense que DFG. Alors, je t'ai pas vu à la bibliothèque, mais tu as l'air d'en venir. Oui, mais en fait, le problème, c'est que DFG, on est restés un peu tous les deux et ton comportement était un peu chelou. Tu voulais un peu m'attirer en dehors de la caméra, je te sentais pas à l'aise, tu vois. J'étais à la caméra, j'ai vu cette discussion, moi. Ouais, bah, du coup, je t'ai demandé si t'avais le check admin. Tu m'as dit non, du coup j'y suis allé. Domi, il est où le cadavre?
Il est en gros quand tu remontes de com. Tu n'as peut-être pas entendu parce que les gens hurlaient dans tes oreilles. Non, mais tu m'as pas donné d'info admin. Tu m'as dit que t'étais en bas derrière la bibliothèque. Moi, j'avoue que je capte pas trop parce qu'il est devant storage, entre light et storage, quand tu remontes de com. Moi, j'ai croisé Rive, donc du coup, j'étais au cam pas mal. J'ai entendu DFG Étoile parler, j'ai entendu Rive en full racontage de life vers sud, là où tu jettes les feuilles. J'y suis allé. Je l'ai croisé devant Astéroïde, j'ai eu peur qu'il me tue, et ensuite il y a eu les lights, je suis rentré parce que toutes les portes étaient fermées. Il y a beaucoup de portes fermées, hein, au passage. Moi je pense que c'est DFG, mais bref. C'est vrai qu'avec Rivenzy, les portes fermées, on s'était dit que c'était... Je pense que c'est un bon tueur. Méta, mais, et du coup, ça devait être DFG ou Antoine, quoi. Je suis remonté, j'ai vu le cadavre de Rive, avec qui j'étais juste avant. Quel emploi est-ce que c'est DFG. Les Silas pour les primes. Une épitue pour les primes, merci beaucoup. Yubaba pour les primes. Et pourquoi ça serait pas Antoine, d'ailleurs? Antoine aussi. En fait, je vous ai croisé dans Specimen, Ultia et Xari, et ensuite je suis revenu un peu en arrière et je suis repassé par Specimen, justement là j'étais à Specimen encore une fois, en fait, pour voir s'il n'y avait pas eu un kill d'entre vous deux en fait, en gros. En fait, l'avantage c'est que dans Bagheera Jarian, il y avait forcément un. Bah oui, forcément. Mais en fait, c'est horrible parce que moi j'ai vu admin, les trois personnes Specimen, les versions de Antoine Concorde parce que je le vois sur la fin et que du coup il aurait pas eu le temps. Mais moi ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait. Tu fais quoi, du coup, vote ? Moi j'ai voté DFG, j'ai voté DFG. C'est pas moi, je vote PA du coup. Vas-y, je... Je pense c'est DFG. Moi je pense c'est... Oui. Sinon, je pense c'est soit Étoile, soit Domingo. Je pense que Xari et Ultia c'est ok. Bah non, ça peut pas être... Non mais de toute façon, t'as la voix sereine, c'est... Bah voilà. Voilà. Bien sûr. Trop fort. Ah bah non, je suis un demi. J'ai meurté un pour vous. J'ai rien. C'est sûr. J'entends des voix, les gars. Bah mais c'est un objet du coup. J'ai pas l'info. Qu'est-ce que tu veux? C'est un bug. Maintenant tu sais. Now you know. C'est mieux, mais moi j'avais pas trop de choix. C'est non, parce qu'il me le dit en mode tranquille, en mode tain, c'est bizarre les gars, j'ai des bugs, j'entends des voix, j'en avais. Boum! Moi ça m'est arrivé la première fois aussi. Sorry, bro. Toi, c'est genre, mais je comprends pas, j'entends Ponce là comme s'il utilisait un vocodeur. Ultra suspect. Et après, bah je me fais chlasse. Merci Mister Roux pour les 5 subs offerts à la communauté. C'était très généreux de ta part. C'est Bagheera. Merci Léo Arras pour les 3 mois, merci beaucoup. DFG, j'ai tellement suivi. Surtout, c'est pas le percu. Non, non, mais en fait, je voulais te poser une question, du coup, j'étais écoute-moi. Et là, je me fais tuer. Merci à Madus Kous pour les 2 mois, merci beaucoup. Let's go! Let's go! Ok! C'est parti! Ah, c'est parti. Alors, on aura pas la moment oui, tout de suite, là, des années. J'entends des pieds. Oui, j'ai peut-être fait du beatbox à un moment. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut revenir. C'est de la pure chère. Donc, taisez-vous. Taisez-vous. Juste fermez là, quoi. Oh! Xarai. Il va m'assassiner, hein. Non? Ah ouais! C'est curieux, cette histoire. Oh, je vais pas le faire tout de suite. Moi, j'ai des choses à faire, hein. Voilà. Merci William Cramps pour les 3 mois, Alix Legrand pour les 11 mois, Mathieu Spapam pour les 5 mois, merci beaucoup. Ok, let's go. Putain, mais elle revient tout le temps, cette putain de quête. Non. Attends. J'ai réponse DFG. Bagheera. What? Ok. Jiraya pense DFG avec Bagheera qui descendait. Jiraya pense DFG, Bagheera. Jiraya pense DFG. Bagheera. Jiraya pense DFG, Bagheera. Oui, merci de me le rappeler, ma chère Ultia. Merci beaucoup. Ah, mais j'ai un truc à faire. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure ne servait à rien. Allons voir. DFG qui va à lab. C'est tout ce que je vois vraiment? C'est plus qu'une carcasse vide. Oh Jiraya? Non, c'est qui le violet? C'est qui le violet? J'ai vu quelqu'un de violet, c'est Bagheera. La tête de ma mère que c'est Bagheera. Il a dit la tête de ma mère, c'est bon, c'est voté. C'est Bagheera, tête de ma mère. Je suis avec Bagheera, donc c'est pas possible.
Non, impossible, j'ai eu quand même violet devant moi. Non, violet. Elle a dit Messi, c'est violet, bon. Violet, ouais. Y'a même pas à tortiller du cul pour chier droit là. C'est vrai, Écoute, je vous raconte une belle histoire aujourd'hui, d'accord? Je suis resté en permanence avec Ponce, on était perso contre perso, on était en sandwich. J'ai dit, ok. À cause d'un truc que je ne savais pas, tu m'as niqué ma game tout à l'heure, je reste avec toi tout le long, j'en ai rien à foutre. Et du coup, on a tout fait, etc. Les lights s'enlèvent, et je dis, ah, on va faire les lights. Et tous les deux, et là, d'un coup, je vois une ombre violette qui le découpe, mais sans crier gare. Sauf que, écoute, bah, malheureusement, on était collés tous les deux. Elle est très jolie, ta petite histoire, mais j'ai voté. Le truc, c'est que voilà. Moi, je suis en train de remonter de Weapons, tranquillement, et je ne vous ai pas du tout croisé. Enfin, on fait nuit, mais t'as dû confondre la couleur, notre joke. Peut-être, mais en tout cas, je lève les bras actuellement comme ça et je vous dis juste, je viens de vous donner cette histoire, vous en faites ce que vous voulez. Bah, mec, moi j'ai voté. T'as voté qui, Domingo? Baguera. Bah, il y a deux secondes, tu disais c'est pas possible, je suis avec Baguera, tu viens de dire, c'était Domingo. C'était un bluff, elle a dit Messi. C'était un bluff à chier, mais j'ai senti qu'elle a chopé cette perche. Très beau. Moi, c'est bon, j'ai déjà statué. Ça va, c'est pas. T'es bon, hein. Je pense que Baguera n'est jamais allé à Weapons, en fait. Si, mais attends, tu m'as vu entrer à Weapons. Non, justement, tu veux repartir. Moi, je t'ai vu repartir à Weapons. Tu m'as vu rentrer. Mais attends, DFG, là, t'inventes n'importe quoi, tu m'as vu rentrer avant. Ah bah ouais, bon, bah, dans ma vision de mec pas important. Je vous fais confiance, hein. Je suis allé Weapons, les gens, mais vraiment, non, recommencez pas. Oh non, elle utilise les sentiments, là. En général. Non, mais non, c'est depuis avant. Avant, vous avez refait le même coup. Vous m'avez voté parce qu'il y a une personne qui était d'ailleurs Domingo aussi avant, qui a fait le coup de Hazel et qui a gagné du coup. Et vous faites exactement le même coup. Allez, on accepte son sort, Baguera. La formation neurolinguistique, Baguera, je trouve hyper. Non, mais elle accepte son sort, mais elle a raison de vouloir en découdre. Si c'est une injustice, c'est terrible. C'est terrible si c'est une injustice, bien sûr. Bien sûr. Oh, le labyrinthe, là. Alors. Qui chante? J'ai entendu quelqu'un chanter. Antoine Fusée, ok. Salut, Ultia. Tu me tues pas, hein? Salut. Non. Tu me tues pas? Non. Non. T'inquiète. Je vais au télescope. Ah, il est là. Je suis là. Okay, j'ai rien à faire à spécimen, du coup, je vais pas y aller. Voilà. Ah, ok. Bah, moi non plus, j'ai rien à faire à spécimen. En fait. Moi, je vais aller. Ah, je vais aller à dropship, il faut finir le truc que j'ai commencé au début là. Attends, je vais aller au light avant. Ça va faire bizarre. Hein. Jiraya étoile, bonsoir. Bien. Ouais. Il fait forcément les bouteilles d'oxygène, Xari. Sinon, il serait reparti. Ouais. Je pense que Xari est innocent. T'as à peine au cam maintenant. Ah, tu es très beau. Voilà, c'est un point pour. Bye. Salut. Ou toi? Domingo qui est allé très proche d'une vente, putain. Ok, c'était sûr. Oui, c'est moi. En fait. Ça dégoûte. Heureusement que je suis un des meilleurs enquêteurs de ce jeu. Voilà, alors est-ce que t'as des petites infos pour nous là-dessus, Pyrrhic? Ultia? Oui. Où étais-tu, Ultia? Eh ben, moi j'étais. En fait, j'ai fait toutes mes tasques, genre, tu sais, à scanner, machin, truc. Après, j'ai terminé par fusée. Ensuite, je suis allée à storage pour. Storage. Et en fait, j'ai parlé au cam. Et du coup, je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait sous les cams. Et il y avait Antoine. Je confirme. Et effectivement, j'étais avec elle à lab au début. Et elle a fait ses tâches à lab. En tout cas, elle m'a pas tué. On était tous les deux tout seuls. Moi, j'avoue que j'ai quasiment pas fait mes tasques parce que j'essaye depuis tout à l'heure de capter ce qui se passe admin.
et j'arrive pas trop à comprendre. Et par t'as contre, pas capté qu'il y avait quelqu'un qui était à storage mort? Bah j'y suis pas allé, ça j'ai pas vu. J'en viens de storage. En fait, j'ai ah bah à l'instant, comment ça t'en viens? Bah c'est bonsoir. Ah ouais, ouais, je suis vraiment passé par storage en vrai. Hein. Bah il est storage, moi je suis allé admin. Ah. Je pense vraiment pas que ce soit Ultia, hein. J'ai des très gros doutes sur le fait que ce soit Ultia. Dans la gueule du loup en plus, mais je viens vraiment d'aller à storage. Les lights, ça je comprends pas. Ah non, bah, j'en ai marre, hein, j'y vais tout le temps. Bah, je l'ai fait deux fois. Moi, je suis admin, moi j'étais admin, donc je suis resté. J'étais en mode, je suis trop loin, je vais pas remonter faire les lights, quoi. Je finissais mes quêtes. Et t'es allé où après? Je crois que j'étais pas à storage, je crois admin, que j'étais là, j'ai fait ma carte et là j'étais au niveau de lave. Là j'étais au niveau de lave. Ok. Donc, et voilà. Personne s'est dit, quand t'as vu admin, tu te dis storage, j'ai rien. En fait, je sais plus. En gros, je sais plus si j'étais à storage ou si j'étais en train de remplir l'huile de storage dans les bidons, tu sais, au-dessus, à gauche et à droite du spawn. Je sais plus trop. Vous êtes où là? Enfin, juste donner un peu. Au cam. Storage, le kill est à storage. Cam. Je reviens des cams. C'est quel kill que t'as trouvé? C'est DFG. C'est DFG, ouais. D'accord. Est-ce que je peux parler d'un truc? Oui, vas-y, Atoile. Est-ce qu'on peut venir Vitals ou pas? Non, j'ai jamais été à Vitals, non. Enfin, j'ai jamais regardé les Vitals. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai vu deux bonhommes à storage pendant longtemps. Donc, si c'était Ultia. Mais non, elle se serait pas cramée comme ça. Bon. Mais non, je pense vraiment pas que ce soit Ultia. Après, l'essence, ça brûle, donc elle pourrait se cramer vite comme ça. Ouais, en fait, moi, j'aimerais poser une question à Jean Castex. Mm-hmm. Parce que d'après ce que tu viens de donner comme info, t'es le dernier qui est au cam et tout ça. Et Xari, moi, je l'ai croisé à gauche. Et à mon avis, il est mort à gauche. C'est genre. Xari, je l'ai vu faire O2. Les bouteilles d'oxygène. À la caméra. Putain. Je l'ai vu faire les bouteilles d'oxygène et c'est tout ce que j'ai vu. Ensuite, il est parti en bas. Ok, ouais. Et Domingo, pourquoi tu m'as accusé en premier? Aucune idée. Je me suis dit, je vais commencer avec quelqu'un. Quoi? Deux voitures? Mais pourquoi? C'est pas. Enfin, en vrai, je pense. Non. Est-ce que ça voudrait dire qu'il reste des imposteurs? Deux. Bah, si on n'a pas eu. C'est Bagheera, mais c'était pas sûr à 600%. Enfin, c'était Jiraya qui disait, mais. Ah non, en gros, bah, alors vraiment, j'ai passé toutes mes games avec tout le monde là, je suis vraiment. C'est pas moi. En fait, Gigi aurait jamais fait ça. C'était trop. J'ai jamais fait ça, gros. Si je suis tueur, je tue pas. Mais Antoine est au cam, hein. Oui, non, c'est pas moi. J'ai trop peur de me faire découper maintenant. Mais c'est trop bizarre parce que Xari, il était à gauche au moment où je pars communication, faire les je fais les astéroïdes, je remonte. Et du coup, c'est trop chelou. Il y a que Jean Castex. Non, je te dis. Ah, t'es là. Mais oui, non, je te dis que c'est pas moi, merde. On va voir s'il y a pas une petite dinguerie. Ah, mais c'est Rive, c'est Rive. C'est Rive. Merde, faut les rester. Oui. Putain, mais du coup je suis pas avec eux, ils vont dire oh, c'est Antoine. Putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Putain, je croise personne, ils sont tous morts. Ou toi? Ok. Ou toi? Ou toi, Rivenzi, toi? Pourquoi moi? Je sais pas. Ah, putain, les. Allô? C'était en haut? C'était juste. Bah non, même endroit que d'hab, les cams. Ah, c'est au même endroit, ok. Mmh. Ouais. Oui? Oulala! Oh! Faut que je fasse quelque chose là. Putain, mais ouais. Attends. Attends, il est passé lui. Ah. Non. Oh, je comprends pas ce qui se passe dans cette vie. Non. Je vois des gens sur des vents partout. Ces gens. Non!
Non. C'est où là? What? Alors, déjà, d'une première chose. Tu m'as vu vent, Antoine. Enfin, tu m'as pas vu vent. Tu m'as vu sur une vent, Antoine. Oui, et ça m'a fait bader. Oui. Oui, mais en fait, je rigolais. Je faisais. Peut-être je voulais mettre sur la vente en mode imagine quelqu'un me voit là sur la veine, il va penser et du coup. Mais voilà. Pourquoi tu ferais ça en fait? Parce que j'ai fini mes tâches, j'avais rien à foutre, j'étais en mode bon, moi je fais quoi? Enfin voilà, du coup j'avais terminé mes tâches. Voilà. Alors, par contre, où est-ce que tu es étoile? Bah gros, je suis admin quoi. Je suis admin et j'ai vu Jean Castex qui était près du bout. En fait, il s'est passé un truc bizarre, étoile. Très bien. C'est que j'étais dehors, j'ai entendu ta voix, j'arrive à admin et je te vois sur la veine d'admin en fait. What? Alors... Ah bah non, mais j'étais pas en bas, je suis remonté. Bah c'est bizarre. Oh, okay, alors, rire de droite. Enfin, j'ai des doutes de fou sur Rivendi depuis oui, deux tours. Oui, parce mais... que du coup c'est normal. Alors, excuse. Alors, donc c'était bien Bagheera au fait, hein, du coup. Hein. Alors, ouais, c'était. Alors, mec, je sais pas ce qui s'est passé là. Si, tu sais exactement ce qui s'est passé. Ouais. On s'est croisés à la sortie de labo. Ouais. Moi, je rentrais dans labo, toi, tu en sortais. Ouais. Et en rentrant dans labo, je trouve le corps. Je sais pas qui je reporte. Je reporte Bagheera. Comment il bégaye? Mais je te jure que c'est ça. Et je croise PA et il sort et moi je rentre et je vois le corps et je reporte le corps instantanément. Parce qu'il était dans le labo le corps. Alors moi je venais de Vitals et Vitals j'ai vu deux kills et du coup je suis direct allé remonter justement sismique pour savoir s'il n'y avait pas un kill de quelqu'un, genre un cadavre, et je t'ai vu remonter et je me suis dit que t'étais à peu près safe parce que t'étais en train de dire ah bah on peut même pas enquêter en rigolant. Ouais. Mais dans le couloir moi j'avais rien. Donc, en fait, et du coup t'es la seule personne à cet endroit là parce que si Jean et Étoile sont tous les deux à admin en bas. Y'a que toi qui es là. Mais ça peut pas être PA, mec. Il est trop safe sur les calls d'avant, je le vois tout le temps. Parce que... Mec, ça peut pas être PA. Et mais, c'est où exactement? Mais c'est dans labo, c'est là d'où tu viens, mec. Mais où dans labo? C'est au fond de labo. Ah bah je suis pas allé au fond de labo. Bah après, je sais pas, mec, mais je te vois sortir de labo. Et Antoine... Non, putain, mais c'est horrible, j'ai aucune idée. Les trois sont suspects, les inclinations sont bons. Ah, je pense que c'est Rive du coup. Je pense que c'est Rive 100% parce que... Non, arrêtez, merde. Vous êtes en train de... Non, je suis vraiment pas sûr que ce soit arrivé. En même temps, il a un ton très déconnecté qui me... Mais non, mais c'est pas moi. Sinon, je vois le corps. Il y a personne autour de moi. Pourquoi je l'aurais report? J'en sais rien. Pourquoi j'aurais self-report? Ça sert à rien. Et je sais qu'Antoine avait des doutes. J'skip moi. Ah, moi, je vote. On rebuzz, on rediscute. Ah oui. Il fallait prendre une décision, mais je pense que j'ai choc. Vraiment, je suis quasi sûr que j'ai choc. Putain. Bon bah c'est foutu. Hein. Les portes se ferment pas. Faut que quelqu'un buzz très vite. Le buzz. Ok, très bien. J'ai remis les lumières. Non mais là on s'en fout, fallait buzzer, vous êtes tous barrés les deux là. Mais j'ai remis les lumières. Si c'est toi qui a buzz... En tant qu'imposteur, t'avais aucun intérêt à buzz, j'avais aucun intérêt à remettre les lumières, c'est étoile. Bah, les lumières, on s'en fout à ce moment-là, c'était soit le buzz, soit rien du tout. Mais non, si les lumières étaient éteintes, tu n'aurais pas pu buzz, en fait. Étoile, c'est Jean, on est d'accord? Quoi? Non, mais... Ok, c'est étoile. Ah putain, ok. Bah, si. Mais... Non, c'est étoile, il y a eu trop de petites. Je te save depuis tout à l'heure. Mais depuis tout à l'heure... Si c'est toi, Domingo, tu mérites la victoire. Tu mérites la victoire, c'est toi, Domingo. Bah, mais je pense que c'est étoile. J'aurais pas. Si j'étais le seul au buzz, donc pour non, le coup. Mais oui, je suis d'accord avec toi, PA. Ta version est claire. Mais je comprends pas pourquoi Jean t'es allé aux lumières du coup. Parce que sinon tu n'aurais pas pu buzz en fait. Mais non, si tu peux quand même buzzer. Non, tu peux pas buzzer si les lumières sont éteintes. Ok, pardon. D'accord, ok, excuse-moi. Non, mais est-ce je crois pas. Juste parler de manière claire. En fait, ce qui s'est passé avant, moi j'étais sûr à 1000% que c'était Rivendi. Parce que moi je te save depuis le début, PA. Le problème c'est que si c'est pas Rivendi, c'est Antoine. Parce que là, ce qu'il fait, c'est qu'il répare les lights pour se save de ta part. Non mais Rivenzy déjà. Non, en fait, ça n'aurait. En fait, il est arrivé vraiment tout joyeux. En fait, ce que te dit Étoile n'a pas de sens parce qu'en fait, si j'avais été imposteur, j'aurais eu aucun intérêt à réparer les lumières pour que quelqu'un puisse buzz. J'aurais voulu que personne ne buzz et que je fasse le kill comme ça, en fait. Souviens-toi, il y a 4 ans, il y a Xari qui meurt à côté des caméras. Il y a plein de fois où t'as plein d'infos au cam, tu parles pas. Non mais déjà, toi, t'étais trop admin, Étoile. Non mais c'est Étoile. C'est Étoile. Je joue tout le temps admin, moi. Je joue vraiment tout le temps admin. Moi je pense honnêtement que c'était qui le deuxième imposteur qu'on a testé? C'était Bagheera. C'était Bagheera et j'étais pas sûr à 1000% mais quand même j'ai voté Bagheera. Moi je te dis bon, on va se faire baiser par Antoine mais ah non c'est étoile. PA en fait, je pense pas que ce soit toi parce que t'aurais eu aucun intérêt à buzz en fait là. Du coup pour moi ça ne peut être que étoile.
Bah, tu me le dis trop là, tu me... Bah, écoute, je t'explique ma version. Et toi, il te blablate depuis tout à l'heure, tu lui dis rien. Moi, je te dis une phrase plusieurs fois et tu me dis, tu me le dis trop. Il y a juste qu'il y a eu ce kill sur Xari que t'as fait et que c'était très bien joué sur les cams. Il y a pas mal d'éléments, même par rapport à ce que tu dis. Ah, là, j'ai go. Non, c'était bien joué. Je pense que c'est good. Hein. Bien joué, Antoine. Merci. Oh, dur. Let's go! Désolé, Étoile, Dommage. Ouais. Ah, en fait, c'est que j'ai vu les... En fait, je t'ai vu 20 étoiles, en fait, apparemment. Oui, j'ai 20 étoiles. Ah, putain. C'est que normalement, ça va pas pour les autres. Oh, le pogo. Mais le 30 Baguera, t'as eu vraiment... Même en étant mort, first, elle était trop bien. Quel choix. Mais le truc, c'est que... Je suis désolée, Étoile, mais le truc, c'est que... En plus, ça a trop géré, je regardais, mais c'est qu'en fait, j'ai vu les gens arriver et en fait, il y a plusieurs fois, je les ai éloignés et juste au moment, grâce aux alertes, je te jure qu'ils ont pas vu les corps et t'as incroyable pour le coup. En fait, c'est fou parce qu'en fait, apparemment, je t'ai vu 20 étoiles, mais moi, en fait, j'ai juste vu sur la 20. Avec moi, s'il te plaît, étoiles. Mais j'ai pas bien vu en fait. C'est tout. Et juste du coup, est-ce qu'on peut buzzer sans light ou parce que ça, j'avoue, je savais pas. Non, tu peux pas. Tu vois. Non, tu peux pas. C'est pour ça, je suis allé vraiment remettre les lights pour que tu puisses buzzer en fait. Ok, d'accord. Non, mais tu peux pas à cause de l'alerte que j'avais mise, non ? Je sais pas si je pouvais. Merci beaucoup, Rakam le Rouge pour le Prime, Junk TV pour les 10 mois, Mini Cachalot les 2 mois, Agent Blanc les 5 mois, Bonnie G Blue pour les 8 mois, Kemar les 11 mois, bientôt un an, oui. Merci Emmerich pour les 144 bits, Stellance les 100 bits, Marif du 67 pour le Prime, Maxime pour les 2 mois, merci beaucoup. En fait, le tout c'est que je me suis dit, je suis quasiment jamais imposteur donc je savais pas les likes, tu sais. Non, mais bien sûr, mais en fait, t'as juste bien sûr. Avec Ponce, genre on était littéralement comme nous deux persos là, on était comme ça. Du coup, je t'ai vu en violet, en plus t'as une couleur qui ressort vraiment, ça aurait été genre Étoile ou Rivendi, j'aurais pas. Salut à tous. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir. T'as fait ta clé, genre. La mission la plus dure, hein, PA. Non, j'avais pas de clé, mec. T'avais pas de clé, mec. Non, j'avais pas de clé. T'avais une clé, mec. Mec, j'avais une clé, mec. C'est terrible. T'avais une clé, mec. T'avais une clé, mec. Putain, tu vas me tuer. Non, bah non. Ok. Non. Moi j'ai envie de dire, il y a Domingo, il m'a dit qu'il avait une clé. Hein. Ah bon ? Antoine, il avait pas la clé, les gars. Bah moi j'avais pas la clé, moi. Personne a la clé, PA. Si, moi j'ai eu la clé. Ah, PA, il y a pas la clé, PA. Moi j'ai eu la clé, Putain, mais il y a une pression. Oh, le pauvre, alors qu'on a tous eu la clé. Oh putain, GG, les gars, GG. On peut rigoler, mais voilà, c'est ça. Après l'effort, le réconfort, hein, comme on dit, donc d'abord... Exactement, ouais. Bien sûr. Ah, pour bosser, quoi, si on commence à raconter que de la merde, c'est bon, quoi. Jean Castex, s'il te plaît. Ouh, elle est longue, ta quête, là. C'est Antoine. Ne me tue pas ici. Antoine a tué Ponce sous les yeux. Sinon, gros Ponce, il a pas le droit de jouer ce soir ou quoi? Ponce a été tué il y a environ 4. Ultia est en train de mentir. J'étais en train de remettre les lights. À ce moment-là, je t'ai vu partir. Je t'ai vu partir de light au moment où elles se sont éteintes, Ultia. Et t'es en train de éhontément mentir. Je sais même pas pourquoi Jean n'avait pas la clé. Putain, mais on va pas partir sur cette blague. Il a dit ça à premier degré, Jean Castex. Mais attends, t'as pas eu le temps d'aller mettre les lights là. Pardon, Ultia, vas-y. Attendez, c'est où Ultia parce que. Donc, moi j'étais aux caméras, il y avait Baguera qui était collé à la cam. Et il y avait. Il y avait Ponce, Jiraya, Domingo. Je pensais vraiment qu'il y avait personne. Antoine au niveau de la poubelle là. Et donc juste au-dessus. Et en fait, au cam, j'ai vu Antoine tuer sous les cams. Et ça m'étonne parce qu'en plus, lui qui est le maître des cams. Mais justement, je n'aurais jamais fait une chose pareille si j'étais imposteur, Ultia. C'est où, du coup, je sais pas pourquoi t'as choc. Mais du coup, Domingo, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai fini avec Antoine au light. La camo 2. Mais j'étais vraiment au light, Ultia. Et surtout, je t'ai vu partir dans le sens opposé. Dans le sens opposé. Et du coup, je me suis dit pourquoi. Sens opposé, je suis descendu pour report, justement. En fait, il y a un sens et il y a un sens de l'autre. C'est le sens opposé.
Mais je me suis dit, pourquoi, fait pas, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas les lights? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas les lights? Il est au niveau de la poubelle. Ok. Pour moi, c'est toi, Ultia. Au-dessus de la cam. Moi j'ai le truc des clés, hein. Je suis très premier degré, mais. Je suis d'accord avec toi, PA, en vrai. Eh ben c'est pas Guerrero et Antoine alors. Non, je suis désolé parce que moi Antoine je le voyais comme ça. C'est qui sur Electrical depuis genre un petit moment là? Il y a Jean. Là j'ai remis les lights. C'était Jean, c'était Jean. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Il y avait. Et Jirai et Demi, vous étiez où, vous du coup? Lui, vous avez qui dépense? À côté de Com là, les quêtes. Moi je vois. Ouais, mais surtout en plus, là, mais surtout en plus, ce qui est absurde, c'est que j'étais avec PA, Jiraya et Ponce il y a un petit moment, et jamais j'aurais tué Ponce, sachant que les deux peuvent dire que c'est moi en fait. Ça aurait été absurde. On était quatre. Il y avait donc Antoine, donc PA, Ponce quoi, et moi. Et en fait, PA et moi, on est partis vers les coms. Ponce est resté genre aux deux machin et tout avec Jean Castex. Et nous, on est remonté avec PA quand les. Bah, c'est en 50-50. Ah, donc non, pour y a moi, pas 50-50, j'étais aux caméras étoiles. Ah bah c'est bah c'est bah alors c'est. Mais c'est faux. Elle ment. Elle est en train de mentir. Elle ment. Tu as entendu? Elle ment. Jean Castex au-dessus de moi. En fait, je le voyais à travers. Il fallait mieux regarder ou alors c'est toi le deuxième. Oh, quelle erreur! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Moi, mais c'est Antoine, je l'ai vu. Enfin, t'es juste la bosse. Ah, j'ai vraiment fail. Je pensais vraiment pas qu'ils étaient. Je pensais vraiment pas qu'ils me. Ah, j'ai vraiment. J'ai choke. Choke de ouf. En fait, je suis vraiment resté longtemps parce que j'ai hésité pendant un petit moment. Je sais pas pourquoi, j'ai brain freeze, j'ai eu un gel de cerveau, ouais, ça va. Et en fait je me suis dit, est-ce que je fais l'électrical ou pas? Et là il y a Ponce qui me fait, oula, tu restes bien longtemps là-dessus. En fait il y avait Riff qui nous suivait, et d'un coup il nous suit plus, il a l'air bien comme une fleur, genre. Ah. Riff, pourquoi t'es pas venu direct avec nous? Arrive, on va te mêler, vas-y, mets-toi, regarde mets-toi, garde à vue, mets-toi contre le mur. Putain, je me mets au sol, je suis à genoux. Ok, maintenant tu vas me sucer. DFG, fais un aller-retour sur toi-même si tu m'entends. J'ai pas bien vu, mais je suppose que tu l'as fait. Un aller-retour sur toi-même. Reviens à gauche si tu m'entends. Reviens à droite si tu m'entends. Je sais pas si tu m'entends. J'entends super bien. Ah, très bien. Ok. Je peux t'aider. Je suis désolé pour le choke, bien sûr. Ne me réponds surtout pas, bien sûr. Je suis désolé. C'est de te dire des informations que je vois. Personne. Il y a Domingo qui est monté là-haut tout seul. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah t'es bizarre d'être revenu, non? Bah j'ai fait ma wifi comme toi. Ah ok. T'as kill quelqu'un? Non. Tu es si le tueur et parmi eux ils ont aucun intérêt. Ah, ça me fait plaisir de voir que DFG. Il se fait innocenté. Ah si, y'a Kasuke pour les 5 mois, Sora la raison. Ah oh, Sora la raison bien sûr, très bien vu. Très bien vu. Je suis en train de... Je fais quoi? Ça va, j'ai connu Pierre. J'ai connu Pierre comme phrase qu'on m'a fait dire. J'ai connu Pierre. Ils sont là. Des trucs à base de Hitler, de la Shoah, de tout ça. Tu auras la raison. Je suis plus à ça près maintenant, vous savez, vous avez tous vu la compile. Hein. On l'a tous vu. Hein. Rire de droite. N'hésitez pas. Hein. Ouais. Terrible ce qui t'est arrivé, Bagheera. Hein. C'est terrible. Oui? Antoine, tu sais que... Tu sais ce qui s'est passé? Bah tu m'as entendu parler. De quoi? Juste avant que tu me tues. Oui, bien sûr. Ah oui, alors c'était bien toi. Parce que hein. Vraiment, j'étais à une seconde de te tuer, j'étais shérif. Mais non. Allez, si. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment choke parce que je pensais vraiment que tu... Comment dire? Que... En fait, je voulais saboter les lumières et j'ai trop hésité longtemps. Et sauf que j'ai hésité longtemps, mais devant la tâche qui se fait en deux secondes, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai dit, plaisir, c'est exactement... Mais oui, bien sûr. Autour du cadavre de Bagheera, discussion. Allez, la petite team. Allez, DFG. Xari est seul, DFG. Il est seul. Ah non, là, il y a tout le monde. Le caca, l'énorme merde. DFG, le caca humain, le caca humain. DFG... Non, mais je te déteste quand... Tu l'as vu à l'instant? Il l'a vu à l'instant? Oh, il est sérieux? Oh non, il a réussi à faire passer ça. Oh là 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 là. Attention, il y a Ultia qui te poursuit.
Mets-toi là. C'est pas sympa, mais non, merci. C'est. Ouais, je me suis mis là. C'est passé là, c'est une blague. C'est une blague. Bah, je sais pas. C'est pas Xari, c'est pas Ultia. Moi, je suis pas en train de se mettre. Il était là. Il était là. Mais comment ça, tu dis que c'est DFG et Xari alors qu'on a tué Jean sur. Non, j'ai dit c'est pas Xari, c'est pas Xari. Non, mais Ultia, moi je parle Ultia. C'est DFG ou. C'est Whitcard pour le sabofer à la communauté. Pourquoi Xari était là quand il y a eu le. Crapouche pour le prime, merci beaucoup. Mais il est juste là. Il est parti sur Spécimen il y a un moment. Tu l'as vu. Tu l'as vu le. Oui, il est avec nous, Xari, il est avec nous. Ok, sur Ultia, vraiment. Alors ça marche. Du coup, j'explique ce qui s'est passé. On était en train de regarder les Vitals avec Jiraya, du coup, et avec Xari aussi. Jiraya, toi, t'es parti où, à gauche? Juste à... Mais Rivenzi, y a ton hamster qui fait de la roue en arrière. Je sais pas si c'était un double kill, parce que voilà. Mais en gros, le vert foncé s'est fait tuer. Instant, ça allait très vite. Il y a eu qui. Mais je pense que c'est un double kill à très peu d'intervalle. Non, c'est pas un double kill. Attends, c'est pas un double kill. Mais attendez, donc j'ai été mort depuis belle lurette. En fait, il y a deux kills, c'est un double kill. Ok, mais attends, c'est ça. Il y a deux cas de figure où ça peut être double kill. Riv est juste en train de ken en fait. C'est DFG, du coup, ça non, moi, je suis parti spécimen. Et je suis sûr qu'il n'y a personne qui est mort spécimen. Non, non, moi, je pense que ça se joue entre Domingo et Étoile parce que Rivenzi était avec eux quand je les ai laissés. Mais mec, alors zéro, je vous ai vu à la caméra avec Ultia et Étoile. C'était toi la cam? C'est Étoile. Mais bah non. Il date de quand le kill? Parce que moi, depuis 1 minute 30, je suis avec Étoile. C'est Étoile, c'est voté. Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut expliquer les choses de manière factuelle? On était en train de regarder les Vitals en mode oh, personne n'est mort. Et là, d'un coup, paf, Rivenzi est mort. Du coup, j'ai paniqué, je cherchais le corps. Jiraya, je sais pas si t'es parti vers la gauche ou vers la droite. Moi, je suis revenu vers la gauche. Tu parles qu'on avait les Vitals. Je suis revenu vers la gauche. Jiraya est parti vers la gauche. Personnellement, moi, je suis allé vers la gauche pour suivre Gigi. Elle l'ajoute très bien là. Gigi, t'es où? Et je suis retourné vers la droite en niveau de du sas de décompression pour aller à Spécimen. Okay, okay. Et c'est là que j'ai vu le cadavre de Rivenzi. Et comme par hasard, la personne que j'avais vue, c'était DFG. D'accord. Et c'est vrai que DFG, quand on arrivait, il partait vers la droite, vers le sas. Ok. Alors, je confirme. Si on accuse DFG, il y a beaucoup de portes fermées. S'il vous plaît, mon pauvre est simple. J'étais avec Domingo et toi. Au niveau des caméras, je suis parti à laboratoire avec Étoile, puis je suis parti spécimen. Depuis ça, je n'ai vu personne, et là je suis dans le couloir en bas à gauche de spécimen. Mais Étoile, lui, était pas labo. Hein. J'ai vu que tu l'as suivi, mais Étoile est rentrée labo. Étoile est rentrée labo sans pas Ultia, gros. Et donc, c'est Étoile, Domingo. On vote qui? On vote qui? Je skip. On buzz. Mais en fait, si Ultia n'a pas menti, il n'y a pas deux imposteurs. Bah ça, oui. Non, il n'y a pas deux imposteurs, c'est sûr. Mais du coup, c'est soit Étoile, soit Domingo, soit DFG, c'est ça? Ah, il est en train de la retourner là. On l'a vu partir quand nous on arrivait au Vitals, il est parti. J'étais vers la droite. Il n'y a pas eu. T'as expliqué, GG. Lucas, je sais pas. Claire. Faut surveiller. Le tien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, je t'entends, frère. Ah, salut, mon pote. Ça, mon gars? C'est un bon gars sûr. Et tu vas me découper là ou pas? Mais tu m'as. Mais en fait. Et toi, l'arrive. J'ai vu Vitals et au moment où j'ai cliqué sur Vitals. Oui. Enfin, je suis vu à droite et au moment où j'ai cliqué, oui. Boum, il y a eu un kill et je t'avais. Et bah alors, tu sais que c'est pas moi du coup, c'est parfait. Bah, puisque mais Ultia, que le kill était juste à droite, justement là où t'étais, donc c'est pour ça. Bah, juste après, genre vraiment. Allez, 4 secondes après quoi. Ok. Donc, c'est soit toi, soit Étoile. Je pars tout seul. Ils sont restés ensemble les deux autres. Pas du tout, ils sont pas du tout ensemble. Si, si. Tu peux les tuer. Je peux te dire des trucs, je vais checker ce que Spécimen. Ouais. Y'a personne à Spécimen. Énorme. Tout le monde à la boue là. Tout le monde. Ouais, moi, qui pouvait safe? C'est insupportable. Il est suivi, hein. Il est pas venu avec toi, il s'est barré. Ultia arrive, elle est toute seule. Non, suivi par Étoile. Non. Pourquoi je lui conseille, moi? Ah non. Mais c'est quoi? Bagheera. Partir spécimen, toi. Mais non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Tu m'as vu partir spécimen. Qui pouvait innocenter Étoile ou Domir? Franchement, je sais pas, on a pas eu le temps pour... Moi, j'étais avec... DFG, sache... Juste que Ponce était shérif et il est mort. Voilà, donc le shérif n'est plus là. Ça, c'est pas censé le savoir, tu vois. Effectivement. Mais Ponce me l'a dit. C'est horreur RP, ça. Ponce me l'a dit, hein. Ponce me l'a dit. Les morts parlent. En gros, c'est elle qui est morte. Bogo, wouh. Et hop là. Bogo. Oh, y'en a marre.
Je rien dire. Ah, forcément, ils ont tué les seuls qui étaient innocents autour d'avant. Allô, Pogo sur le cadavre. Moi, j'ai fait en sorte d'être bien tranquille, qu'on me casse pas les couilles. DFG et Étoile, vous étiez encore ensemble là ? Oui, Xari, on t'entend. Ah, il nous entend pas peut-être. Allô ? Xari ? Ouais. C'est peut-être au feu. Allô, compte au feu. Contrôle R sur les deux mains, merci beaucoup. Refresh, Xari. Il sait qu'il est coupable et il fait genre en mode allô ? On ne peut pas. Ouais, je pense que c'est bon pour Xav. Du coup, pardon, c'était quoi les questions ? Vous êtes où ? Avec Xav, office. En train de discuter que c'était un peu chelou. Et DFG va-t-il me carry jusqu'à la fin ? Genre admin. En fait, faudrait qu'ils éliminent Ultia. Je confirme rien, je vous entends plus. Mais tu m'entends là, non ? C'est bizarre ça. C'est sa nouvelle strat. Non, il m'a dit qu'il avait les courses, il est un peu FK, la game a pas avancé en 2 minutes. Sérieux, est-ce que t'étais bien avec Domingo ? Moi je vous dis par élimination, ça peut pas être PH resté avec lui un siècle dans un round où il y avait les kills. Sachant que pour moi je pars du principe qu'il n'y a plus qu'un. Mais j'aide pas mal, ah bah oui bien sûr, bah, j'en profite. Antoine. Ça peut pas être Xari, donc c'est DFG par élimination. C'est soit DFG. Parce que c'est pas moi, parce que tu m'as vu monter dans le dropship. Bah d'accord, sauf que mec t'essayes de... Oui il m'a fait un truc safe DF. Mais en fait moi je vous explique juste que ça fait 2 rounds que ça ne peut absolument pas être moi. Et vous êtes convaincu que c'est moi quand même. Donc, mais parce que la round d'avant, Étoile me voit partir dans spécimen. Et du coup, je vous explique que j'ai fait tout le tour de spécimen. Et... Je te vois pas partir dans spécimen. Tu... Bon, ok, bon, t'as vu la porte dans le fog s'ouvrir et tu sais que je suis dedans. Bon, c'est en tout cas, là, sur le kill, Étoile, tu mais sais avec quoi moi, t'es rentré avec moi dans le laboratoire. Bah, mais non, je suis pas rentré avec toi. Avant bah alors tu mens, moi je vois Étoile. Non, parce que ça, DF, j'étais déjà en mode c'est chelou ton truc. Parce que je t'ai vu le suivre, Étoile. Ouais, non, c'est mort là. À ce moment, pour moi, il est jamais allé labo dans ce moment. Il est rentré labo et il était avec moi. Attends, le patron pour les 6 mois de sub. Renault 3 IQ pour les 7 mois, merci beaucoup. Xari, t'es là ? Il a dit que j'étais innocent. Écoute, je suis 100% sûr que le verre m'a vu rentrer dans Spécimen le round d'avant. Juste qu'on voit pourquoi tu cours le sub. Et parce que j'étais pendant un siècle storage et que j'ai... Attendez, excusez-moi, mais vous m'avez même pas demandé où est-ce qu'il était le corps. PA, moi je sais juste qu'il est pas dropship. PA, quand t'es venu, quand on était aux caméras, non, mais toi, tu m'as vu sur les cams mal, partir même... avec Étoile et tu as vu qu'Étoile est rentrée avec moi dans le laboratoire. Non, parce que par contre, non, j'ai pas mais vu ça. C'est simple, on avance pas du tout dans l'histoire. Je skip, mais je pense que c'est DFG. C'est DFG. J'ai skip, on aurait peut-être du kill. Bah, ce n'est vraiment pas moi, donc on va trouver. Personnellement, je venais de quitter. Ultia, on t'a rien demandé, mais en même temps, ça allait trop vite. Il pose aucune question. On n'avance pas du tout dans cette enquête. Elle a raison. Ultia, on t'a pas écouté, excuse-nous. Ultia, on est parti, Ultia. C'est envolé. T'es fort, des géants. Mais c'est toi et toi. Ouais, je disais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas moi, ça fait 2 rounds que tu me fous la grosse, je comprends pas pourquoi, mais c'est forcément parce que j'arrive pas à continuer comme ça, c'est laboratoire. Putain, t'entends tout en même temps. Prends ta part, comme disait un grand homme. Ultia, désolé, t'as pas parlé. J'aimerais bien te le dire, mais non. DFG. Et je suis un fou furieux, c'était l'autre verre. DFG. Ok, Ultia et Domingo. DFG. Ultia et Domingo sont restés ensemble aux caméras, DFG. Ils sont restés ensemble aux caméras. Les caméras sont pas allumées, fais attention. Barre-toi, c'est ça, c'est très bien ce que tu fais. DFG. Je suis fantôme, tu sais. Ne les écoute pas. DFG. Ultia et Domingo sont tout le temps ensemble, fais attention. S'ils sont tout le temps ensemble, ils vont bien voir que le kill ne vient pas d'eux. DFG. Oh, il va Reste groupé. Joyeux anniversaire. C'est de labo là, DF. Joyeux anniversaire. De étoiles, là, ça je l'ai pas. Oui. Il faut que t'arrives à isoler Étoile. Tu vas. Oui. Et j'ai pas vu la cam d'après. Je me suis ramené storage et il y avait Étoile et on a fait notre quête ensemble pendant 2 minutes. Putain, mais tais-toi, Maguera. Au secours. En anglais. Happy birthday to you. Voilà, faut que tu t'innocentes. En tout cas, il devrait être fatigué là, il faut tout le temps en rusher quand même. Et toi, le suspect numéro 1. Moi, je trouve que c'est épuisant. Moi, je pense que tu en as marre. Il est en train de niquer le truc. Ouh ! Franchement, je suis plus fort. Je pense qu'on a marre, non ? T'en as marre, DFG ? Tu peux nous le dire. Moi, j'en ai marre, en tout cas. Tu veux dire que c'est crouillé. Pour pas qu'on se rende compte que Xari est mort, casse-moi pas les couilles, c'est pas moi, frère.
Ok, viens. On arrête les conneries là. Il y a Xav qui est mort en plus. Il a saboté les conneries juste avant qu'on puisse. Mais je fais rien du tout, frère, arrête. Moi je pense que c'est. Non, mais je pense que. En fait, j'ai un doute parce que DF s'est mis bien avec moi sur un truc, mais il l'a pas utilisé comme argument. Le moment où il est monté, il aurait pu me fumer, mais il m'a pas fumé. Mais pour toute la game, pour tout ce qui s'est passé, étoile par rapport à Storage, le petit move, le truc où DFG a forcé pour rien et Ultia, ce qu'elle a fait, moi je mets DF. Je mets DF et surtout. C'est quoi en que plus... j'ai forcé pour rien, dis-moi. Non, oh non, j'ai cru qu'il allait voter étoile justement. Et... Pourquoi ça serait pas toi, Denis? Bah, parce que c'est mes infos. En fait, il y a des gens qui me disent que je suis parti là-bas pour les 2 mois de sub. Et qui le disent pas. Pulche à moi pour les 3 mois. Bah qui? Achikouli les 100 bits. Noctar 44, le sub. Mais étoile, je l'ai vu 10 secondes après, on a fait notre tour pendant 1 minute 30. Oui, mais il est rentré avec moi dans le labo. Donc, en fait, je dis pas que c'est étoile qui a tué, j'ai juste que étoile. Ouais, dis-moi, c'est dis-moi, dis-moi. Quand j'ai vu le cadavre de, Jiraya, personnellement, j'avais laissé DFG. C'est Rammstein pour le prime. Comment ils auraient pu faire le kill de Reeve? C'est peut-être toi, dominant. Quand t'as laissé le cadavre De Jiraya. Quand j'ai laissé le cadavre de Jiraya, quand je l'ai trouvé là. Où ça? Tu l'as laissé où déjà? Il là, est à droite de fusée. Quand je suis arrivé là. Mais quand? Il y avait. Tout à l'heure là. Mais je sais même plus. J'étais avec Zari, qui a écrit que j'étais j'étais innocent. Ah oui, c'est vrai. Zari ah oui, a écrit que j'étais innocent, c'était ça le truc. On a discuté de nos courses, okay, tout ça, oui, machin et tout. Il avait pas le PA innocent, je confirme. Ok. Il y avait le chat, elle a écrit. Là, si étoile me vote, c'est fini. C'était entre les deux. Mais pour moi, ça peut pas être. Étoile aurait pas fait le kill. Étoile aurait pas fait le kill. En fait, c'est DFG. C'est forcément étoile. Il est trop fort DFG. Je pense que c'est DFG. Mais non, mais en fait, juste. Il a pas la même voix, étoile. Si PA et Ultia sont persuadés que c'est pas l'un l'autre, et moi je pense vraiment que c'est pas PA parce qu'on a été dropship ensemble à un moment où c'était un peu cadeau s'il avait voulu me tuer. Le truc, c'est que étoile, en fait, étoile, juste le fait qu'il backup pas ma version. Et que, en fait, PA peut pas backup la cam malheureusement, mais que étoile dise qu'il est pas rentré laboratoire et qu'il n'a pas vu les spécimens. Écoutez la masterclass. Il va pas s'en sortir, mais. Horrible. Enfin, Anton, il est mort dès le début. Ultia, je sais que t'es en doute. Xav m'a innocenté. C'est horrible là. Je pense que par rapport à la game d'avant, à ce qui s'est passé sur la voix si d'étoile. Bah j'écoute Xari en plus, il avait un. En fait, bug si vous voulez skipper, il faut que étoile me vote et Ultia, tu dois voter étoile. Je pense que c'est DF, Ultia. Non, mais sinon, ça ne va pas skip et vous allez perdre et ça perd comme tout à l'heure. Vous allez voir. Je vote étoile, vous finissez votre. Non, vote DF. Vote DF et je pense que c'est fini. Ce n'est pas moi. Je pense que c'est DF. Je pense que c'est DF. Ultia, tu sais que je suis safe. Au pire, je prends tout sur ma gueule. Le problème, c'est que PA, tu sais que c'est pas moi normalement. Mais t'as pas vu la deuxième caméra, tu sais pas. Non. Bah t'as bien fait. C'est si dur. Oh là là, il est fort de chier. Finissez vos tasks. Et Paul, il a pas la même attitude que la game d'avant. Oui. Mais oui, en fait, c'est lui. Allez. Let's go, bro. Du coup, il a gagné. Il a pas fini. Non, c'est pas dit. Après, c'est bien pour YouTube. C'est moi. C'est ah non, ouais. Et toi, Tami. Buzzer, voter DFG et go next. Bah, si c'était moi, je voudrais. Et c'est reparti, joyeux. La game d'avant aussi. Franchement, cette histoire. Reste de... sur une logique, là, étoile. En tout cas, après, tu m'en rends très fort. Pas sur le DFG, mais. Mais d'un autre côté, je l'ai vraiment laissé là-bas. Non, mais du coup. Paul, j'ai trop été avec. Je pense pas qu'il a fait les. Cache. Il se cache. Ils sont tous les trois stacks, hein. S'il vous plaît. Oh, y'a yeah ouais. Alors, je me permets, quand selon moi je trouve, tu me fais pas confiance. Donc, j'ai le premier, trouvé le deuxième. Mollo. Mollo, madame, mollo. Bon, bah, je t'écoute, ok. Vas-y, bah, on va buzzer. Non, mais c'est horrible. Allez. Pour DFG, parce que du coup, on est pack, mais qu'est-ce que tu. Pourquoi c'est horrible pour DFG? Moi, j'ai fini depuis une demi-heure, frérot, j'en ai rien à foutre. Ah, mais j'essaie trop de. Viens, on buzz, Ultien, on croit. Au pire, j'ai une plagame, c'est sur ma gueule. Bah, d'accord, c'est sur ta gueule. Bon, c'est le classique de et Xarim l'a bien précisé. Oh, il a teinte. Ah bah. Oh non, dommage. Oh non, dommage que ce soit toi, PA. Mais non, PA, oh non, il aurait dû tuer. Mais je suis derrière. Alors là, parfait, mec. En vrai, parfait que t'es buzz maintenant, c'est parfait. Je suis en dessous, je suis pas dans la pièce, c'est magnifique. Merci. Oh là 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 là. Attendez. J'ai gagné de cette game sur les épaules. S'il y arrive, je vais partir sur le postulat qu'a fait Domingo, qui était. Oui, vas-y, va au bout, va au bout. Moi, j'ai trouvé le deuxième, c'est DFG. Non, Ultia. Non, non. Non. Juste clair. Attends, Ultia, tu vas te tromper, mais c'est pas grave. Mais juste sache que je ne suis pas dans la pièce à la fin. Je suis en dessous. Il continue en plus. Il est bon, il est très bon. Oh là là, mais quoi. Je vote DFG. Ah allez, bravo. Il méritait la victoire, mais bravo. Avec Gigi, j'en ai vu
Quel game, quel game. Oh là là. Gros pogo, gros pogo. Bravo. Mais GG DFG, hein. Ah, DFG incroyable. Désolé pour le choke du début, hein, vraiment.